Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Allez, second unboxing de Star Wars Légion. Bon, bah là, on va ouvrir l'incontournable TRTT de l'Empire et vous allez voir que cette pièce-là, qui est sans aucun doute une des pièces maîtresses de Star Wars Légion, elle vaut vraiment le coup d'œil. Allez, on va s'unboxer ce TRTT, extension d'unité de Star Wars Légion. Donc, c'est un unboxing, donc je ne fais que ouvrir la boîte devant vous. Je la présenterai plus en détail dans une vidéo lorsque je l'aurai également montée. Alors, allez, c'est parti. Donc, comme je l'expliquais, en fait, pour le T-47, vous avez en fait une figurine qui est extrêmement bien protégée, extrêmement bien packagée. Vous avez ce carton là qui entoure en fait le système thermomoulage qui est maintenant un grand classique hein, puisqu'il est également présent dans la boîte de start. Alors, on a envie de se jeter là-dessus. On va d'abord regarder ensemble le livret. Je vais poser ça ici. Alors, le livret là, par contre, attention, il est un petit peu plus conséquent. Hein, c'est le plus conséquent de tous parce que la figurine est un petit peu plus compliquée quand même à monter. Il faut quand même le reconnaître. Mais bon, c'est quand même relativement simple d'appréhension. Il suffit de suivre les étapes, d'être rigoureux et il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Voilà, donc au niveau du matériel, hein, vous avez une figurine avec son socle, un pion d'ordre, 5 pions de blessure, 3 pions de dégâts véhicules, un pion de visée, un pion d'esquive, une carte pour le TRTT, et puis 6 cartes d'amélioration cette fois-ci. Bon, allez, on va se jeter sur cette partie-là de la figurine. Bon, il y a une chose qu'il faut absolument reconnaître, c'est que ce TRTT, il est extrêmement bien réussi. C'est sans aucun doute une des plus belles pièces. C'est la plus belle pièce pour l'instant de Star Wars Légion. On est obligé de le reconnaître. Voilà, on se retrouve avec un corps qui est, enfin, avec une tête, excusez-moi, qui est absolument magnifique, avec énormément de détails. Les proportions sont extrêmement bien conservées, extrêmement bien représentées. Ça pouvait être une crainte en fait de la figurine, et en l'occurrence là, bah, pas du tout. On a vraiment une pièce qui est somptueuse, et ça donne envie de voir un quadripode impérial traité par ce genre de système. Il se raconte que normalement le quadripode devrait sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a évidemment les pièces au niveau des jambes. Donc voilà, je vais tout sortir, mais ça ne vous apportera pas grand-chose hein, de voir des morceaux comme ça. Je le rappelle, je ferai une présentation beaucoup plus détaillée en fait du bipode impérial. Voilà, il y a quand même énormément d'éléments présents cette fois-ci. Hein. C'est quand même la figurine la plus détaillée de la série. C'est clair, mais bon. Je pense que c'est pas insurmontable au niveau du montage. Ça devrait prendre quelques minutes. On en a, je pense, pour 10 minutes de montage et de faire attention à ne pas perdre des pièces parce que ça peut arriver au déballage. Je pense que moi, en ce qui me concerne, j'ai dû perdre un élément lorsque j'ai déballé la boîte principale. Et on va aller sur la fin de la partie pièces. Avec notamment donc le corps qui va réceptionner la tête et les jambes. On a ensuite la deuxième partie de notre petite sauterelle. Et puis évidemment les pattes, les pieds du bipode. Voilà. Bon, c'est, je trouve, de un petit peu moins détaillé que ça l'était sur le T47. Il va quand même falloir un petit peu réussir la peinture sur ce genre de pièces. Moi, c'est en fait la petite difficulté que je ressens au niveau de Star Wars Légion, c'est qu'en fait c'est un jeu dont les pièces sont extrêmement grandes. Vous voyez par exemple là, petite
petit détail, le canon, bah, c'est pas droit, quoi. Ça part carrément à droite et à gauche. Bon, alors bien sûr, hein, ça se redresse. Il faut chauffer, vous chauffez avec de l'eau chaude et vous redressez vos canons. Mais bon, voilà, faudra faire attention au moment où vous allez redresser vos canons. Ça peut vite être casse-gueule. Hein. Faites gaffe à ça. Au niveau des armes, bon, il a un lance-roquettes, il a le fameux double canon et puis il a les mitrailleuses qui sont sur le côté. Tout ça, je le présenterai en temps voulu. Lorsque je présenterai la figurine plus en détail. Le socle que je vais vous offrir, je reviens sur la remarque que j'ai faite avec le T47. On voit beaucoup de gens qui font des tables extrêmement détaillées pour Star Wars et Légion. Alors c'est bien, hein, ça fait du modélisme, on se fait plaisir. Faites attention parce que les socles sont très très gros. Et j'ai peur qu'avec des socles comme ça, ben, vous retrouviez vite encombré et gêné pour déplacer vos figurines. Alors vous allez me dire, ben, c'est normal, hein, si la figurine ne peut pas passer entre deux bâtiments, ben, elle peut pas passer. Bah ouais, mais bon, si vous faites des tables trop complexes, vous risquez vraiment de vous pénaliser dans le jeu, et ça serait quand même dommage, par excès de décor, de se retrouver avec des figurines qu'on ne peut pas aligner. Je ne reviens pas sur cette plaquette, c'est la même que le T47, si ce n'est que ici c'est un logo impérial au lieu d'avoir un logo rebelle. Vous avez donc des touches, vous avez une visée et une défense, et puis vous avez ce que vous reconnaissez ici qui sont en fait les pions de stress entre guillemets pour les véhicules, puisque les véhicules ne subissent pas le stress mais peuvent subir des dégâts spécifiques liés aux tirs qu'ils subissent. Voilà, hein, ça c'est le jeton qui vous permet de constituer votre pioche ou d'attribuer un ordre à la figurine afin de maîtriser l'étape d'activation. Au niveau des cartes, donc là on a un véhicule qui va avoir 11 points de vie et donc 8 points de mécanique, hein, on va dire. Il se déplace à 2, ok. Par contre il a deux armes de base. Il a donc le canon blaster jumelé qui va quand même lancer 2 dés rouges, 2 dés noirs et 2 dés blancs. Bon, voilà, ça reste quand même assez imprécis. Les 2 dés blancs, ne comptez pas trop dessus pour faire des dégâts par expérience. Par contre, on remarque ici la pince coupante qui a 4 dés rouges. En fait, c'est tout simplement pour partir du principe que au bout du pied, en fait, il y a une espèce de pince, et ils sont partis du principe qu'avec le TRTT, on pouvait piétiner les troupes. Donc ça a été annoncé assez tôt. Sinon, le véhicule a armure, arsenal 2, et point faible arrière. Attention, il est beaucoup plus sensible à l'arrière. Tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaquant se trouve dans votre arc arrière, la réserve d'attaque gagne impact 1. Donc impact 1, c'est la capacité de transformer une touche en critique. Et comme vous avez armure, bah vous subissez du coup uniquement que les critiques. Voilà pour la présentation de la carte. Au niveau des améliorations, on a 3 armes que l'on peut adapter en fait sur le TRTT. Donc on a un lance-grenade à concussion. On a un canon blaster léger, donc la grenade, le lance-grenade va faire 2 dés noirs, le canon blaster va faire 1 dés rouge, 1 dés noir, 1 dés blanc, et le lance-mortier TRTT va faire 3 dés blancs. Je reviendrai sur les combos possibles lorsque je ferai une vraie présentation de la figurine, lorsque je l'aurai montée et que je vous la présenterai en macro. Vous avez le général Weiss, qui n'est pas à confondre avec le général Wirth, qui va bientôt sortir, impérial uniquement, donc c'est un pilote en fait, hein, et jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez arsenal 2. Sinon, eh bien, vous avez les deux cartes que vous avez déjà eues dans le T47 et également dans les motos. C'est le Comlite à longue portée qui vous permet en fait d'avoir un ordre même si vous êtes trop distant en fait du chef d'escouade, et le brouilleur de com qui vous permet d'empêcher ceux qui sont à portée de 1, vos ennemis qui seraient à portée de 1, de récupérer un ordre à leur tour. Waouh, bluffant ce TRTT. Bon, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo comme d'habitude avec présentation des cartes, avec présentation des améliorations, puis on fera une petite macro histoire que vous puissiez le regarder d'un petit peu plus près. Ça va arriver très vite cette semaine. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Tiens,
Je vais me permettre de faire un petit coucou à mon unliker, puisque j'ai mon unliker à moi qui arrive à mettre des pouces négatifs avant même d'avoir regardé mes vidéos. Je t'aime bien. Allez, je te dédicace cette vidéo-là. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.